Bonjour à tous, alors je vous présente, je m'appelle Loïc, je suis accompagné de Cerise et de Rodney. On va vous présenter aujourd'hui une catégorie qui s'appelle le locking, c'est dans les années 70, à l'époque des soul-step, de la soul-trend et beaucoup d'autres mouvements qui viennent de la soul ou de la funk qui est venue après. Donc on va vous montrer quelques mouvements de base. Donc on va tout de suite attaquer avec le premier mouvement de base qui vient des dives, des dés et qui s'appelle le pace. Donc le pace, je serre le point, je vais aller frapper sur le côté droite, reviens en bas, droite, reviens en bas, droite, reviens en bas. 4 temps, ok? On y va. Tout doucement on commence. Pensez à bien relâcher le poignet, ok? Et mon bras va bien chercher sur le côté, va bien chercher en bas sur une certaine trajectoire. Ok? Je monte pour aller frapper. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. Comme vous pouvez le remarquer, avec le haut du corps, je vais chercher à chaque fois sur le côté et je reviens. Je garde un certain tempo au niveau du corps pour pas que ça fasse trop beau. Ok, la base c'est de se lancer dans le locking. Donc j'accompagne tous mes mouvements avec le corps. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. Ça va? Encore une fois, mouvement le pace. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. Là j'accompagne avec le corps. Il y a différentes variantes que je peux accompagner avec la jambe. Je peux me déplacer un peu plus mouvement. Par exemple, je peux utiliser mes jambes pour aller chercher pour le pace. Okay. On pourrait faire exactement la même chose en se déplaçant. Mais si en se déplaçant, vous partez un petit peu où vous voulez. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, je peux l'utiliser de différentes manières. Nous on va rester sur place et on accompagne avec le haut du corps. Côté derrière. Ok. 5, 6, 7. 1 et 2 et 3 et 4. Tout de suite je suis arrivé, je vais monter vers le haut, chercher en up. Ok? The muscle man. Ok? C'est les hommes musclés. Donc on part chercher en haut, on descend en bas, donc on verrouille. Tout de suite je vais chercher en position lock. Poum! C'est dans le sol. Donc j'explique la position lock, je descends le haut du corps, je monte sur la demi-pointe et je vais chercher avec les coudes vers l'avant. J'ai une vraie position bien arrêtée, bien bloquée sur le deuxième temps. Donc tout doucement, ça fait vers le haut, un up, en bas et du de lock. Ok? Je fais un vrai lock, une vraie position et bien boum, dans le sol. Ok? Donc ça fait 4 temps pace, 1 et 2, on fait le up and lock. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6. Ça va? Ça va? En bas. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6. Tout de suite, tu arrives à 6. On va faire une position qui vient de la photo de l'oncle Sam qui appelait les Américains à aller à la guerre. Donc, c'est juste des points que je donne des directions. Une direction à droite, j'accompagne avec le corps et je regarde où je pointe. Position à gauche, j'accompagne avec le corps, je regarde où je pointe. Encore tout doucement. Ça fait pointe à droite, pointe à gauche. Les pointes doivent être arrêtées juste avant la fin du bras en fait. Je ne vais pas jusqu'au bout, je ne laisse pas appuyer là. Je ne laisse pas appuyer, j'arrête mon mouvement juste avant. Ok? Et c'est des mouvements qui se font très secs. Ça doit être sec. 1, 2. On essaye juste les pointes, on fait 1, 2. Juste les pointes. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Encore. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Donc on va tout accrocher ensemble. On a 4 temps pace, up and lock. Pointe, pointe. Et je regarde bien la direction. Mon visage va dans la direction de ma pointe. Depuis le début. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, 7, 8. Pour finir notre phrase, on reste un temps. On ne fait rien. Un temps d'espace, on respire. Sur le 2, on va faire un give me 5. Ok? Give me 5, c'est différent de clap. Clap. Give me 5. Et quand je veux t'encourager, encourager quelqu'un, si je fais ça avec quelqu'un, c'est give me 5. Tu donnes 5 à quelqu'un pour lui donner de l'énergie. Ok? Pour le féliciter d'un mouvement ou d'un passage qui vient de faire quelque chose, pour donner du power. Ok? Donc nous, on va faire give me 5 à soi-même. Tu donnes 5 à toi-même. Tout de suite. C'est une vraie intention. Ah! Donc on fait 4 temps, pace, up, lock, pointe, pointe, reste, give me 5. Ça va ou pas? On est parti de la lecture? Non, ça va. Tu vas bien? Vas-y, moi, quand on fait le give me 5, il faut que la jambe.
Quand je fais du refresh, en fait, je vais me mettre en position, hein, sous pareil, comme en position de bloc. Je suis sur la demi-pointe et le haut du corps vient brancher sur le côté. Je dois vraiment sentir là, que ça s'accroche. Ok, tu dois sentir la position. Unify, c'est une vraie attitude. Je suis vraiment en attitude. Ça va? 4 temps pace. Up, lock, pointe, pointe et clap. Unify. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6, 7, 8, 1, 2. Aïe. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6, 7, 8, 1, 2. On essaye, on va le faire à l'envers comme ça dans le même sens que vous. On essaye dans ce sens-là, c'est la même chose. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6, 7, 8, 1, 2. Merci, cette fois-ci on va essayer de le faire en musique. Pensez à vous relâcher, aller chercher les mouvements, les pointes, les arrêts, tout dedans, abusez-vous. C'était la partie locking avec Loïc, Rodney et Cerise. N'oubliez pas, on se voit le dimanche 18 mars pour le battle Mexture Bad Legend. Je compte sur vous. À bientôt.